Le prince William, pas prêt, a renoué avec son frère Harry. Ces nouvelles révélations. Les choses sont au point mort entre Harry et William. Malgré les multiples interventions de Kate pour tenter de réconcilier les deux frères, l'aîné refuserait toujours de renouer avec son cadet. Les relations ne sont pas près de s'améliorer entre le prince William et son frère, le prince Harry. Les deux hommes semblent en effet plus éloignés l'un de l'autre que jamais. Tout a commencé lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de quitter la firme et de s'expatrier aux États-Unis. Puis, après avoir promis à son père, le futur roi Charles III, de toujours respecter l'institution, il a accepté de donner une interview exclusive à Oprah Winfrey dans laquelle il n'a pas hésité à accuser sa famille de racisme. Enfin, le 10 janvier dernier, le prince Harry publiait ses mémoires, Spare, déclenchant la fureur au sein du palais en révélant les détails de conversations privées et de moments familiaux. Aujourd'hui, Harry est plus isolé que jamais et ses liens avec le roi Charles III et le prince William sont, pour ainsi dire, en lambeaux. Et selon les dires d'une source proche du palais, divulguée par nos confrères britanniques du Daily Express, William a clairement fait savoir qu'il n'était pas encore prêt à renouer avec Harry. D'autant plus que la majorité des tensions entre les deux fils de Diana est apparue à cause du plus jeune qui a fait une série d'allégations contre la famille royale, en particulier contre son frère aîné. L'une d'entre elles concernait une altercation physique entre les deux hommes. Kate au secours de son beau-frère. Pourtant, la princesse de Galles a tout tenté pour rabibocher les deux frères. Mais rien n'y fait. Kate a contacté Harry pour lui dire de garder la tête haute et de ne pas trop s'inquiéter de ses revers temporaires, a révélé la source, ajoutant que la relation entre Harry et Kate est restée intacte. Ce soutien signifie beaucoup pour Harry, en particulier dans les moments difficiles comme celui-ci, lorsque les jeux sont faits. Kate Middleton serait, en effet, vraiment désolée de la situation dans laquelle se trouve son beau-frère. Le voir traverser tous ses revers est très difficile à voir et cela la touche au plus profond d'elle-même, d'autant plus que son procès, contre la presse, se déroule si près de chez eux. Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Harry avait tout de même accusé sa belle-sœur d'avoir fait pleurer sa femme. De quoi douter du fait que la relation entre Kate et Harry soit restée la même. Et pour ne rien arranger, cette semaine, le site internet de la famille royale a été modifié et Harry a été déchu du titre Son Altesse Royale, signe que la cote du duc de Sussex au sein du palais est encore basse.